C'est en époque, ça. Donc, bienvenue à toutes et à tous à la boutique Bonjour. Potemkin. Bonjour. Ça marche ? Oui, ça marche. Parle, Darius, pour voir. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Très gentil. Alors, on fait des rencontres régulières avec des cinéastes, des critiques, des comédiens. Et puis assez rarement, on a des chefs opérateurs. Et là, ce soir, on est très gâtés parce que Darius Kondji est parmi nous. Et on doit cette venue à l'édition de ce très très bel ouvrage. Qui a été initié par Jordan Minzer, qui est critique et qui a fait un boulot formidable, où il a interviewé. Tu vas nous raconter ça, Jordan, mais c'est comment lire livre, c'est à toi. Je peux m'asseoir ou pas? Tu as le droit de t'asseoir, t'es pas obligé de rester debout, mais mais vas-y, parle-nous de ce projet de livre, comment il est né, comment il est venu. C'était au début, je crois, quelques entretiens comme ça que tu voulais faire, puis je crois que ça s'est étendu, ça a duré plus longtemps que tu... En fait, j'avais fait un livre avec le même éditeur, avec Synecdoque, sur James Gray, il y a 7 ans. Et je voulais faire un autre livre après, et j'ai rencontré Darius sur le tournage de The Immigrant, de James Gray. On avait fait une interview à l'époque pour le Cahier du cinéma. Et puis, ça s'est très bien passé. Et je me suis dit, ça serait formidable de faire un livre comme on avait fait pour Gray avec Darius. Et on a mis du temps à le mettre en place. Et puis, j'allais pas dire, mais Darius qui fait beaucoup de films et qui part en tournage, souvent à l'étranger. Et donc, on a commencé. J'ai trouvé l'email que je vous ai envoyé. C'était il y a 3 ans et demi pour le projet. 3 ans et demi, hein. Voilà. Pour voir si vous voulez faire le projet. 2 ans. Oui, non, c'était un peu plus. Et on a fait ces conversations au bout de... Ça a pris plus ou moins 2 ans de discussion. Et puis, après 1 an pour faire le livre, c'est-à-dire toutes les images... beaucoup d'archives qu'il y avait chez vous pour arriver à cette version-là. Quoi. Et puis, ce n'est pas seulement un entretien avec Darius, c'est aussi un entretien avec des gens qui ont travaillé avec Darius. Donc, il y a des réalisateurs, des techniciens, chefs électro, décorateurs. Donc, c'est ça qui rend Darius parle beaucoup dans le livre de travail d'équipe, de chef opérateur. Donc, on a interviewé des gens de son équipe, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, il y a un état d'honneur, il y a un cadreur, il y a un chef déco, il y a aussi une actrice, il y a Isabelle Huppert dans le livre pour parler de l'expérience entre l'acteur et le chef opérateur, et puis des réalisateurs comme James Gray, Woody Allen et le regretté Bernardo Bertolucci. J'ai eu la chance de parler avec lui il y a presque 1 an autour de Beauté volée. Et voilà, donc c'est l'idée, c'est de vraiment rentrer dans le monde de Darius et du chef opérateur, dans le métier de chef opérateur, à travers vraiment l'histoire d'une personne, mais d'explorer un peu plus largement ce que ça veut dire être un chef opérateur, ce que ça veut dire éclairer un film, ce que ça veut dire des images, et voilà. Donc c'était... assez ambitieux, et j'espère que vous aimez le résultat. Quoi. Voilà. Ouais, alors, je précise que le livre est en français et en anglais, pour les anglophones. Comme vous avez compris, je ne suis pas français. Mais ton français est parfait, mais ça intéresse certaines personnes.
Et puis non, et puis c'est un très très bel ouvrage, préface de Michel Simon aussi. Oui. Mais ce qui est pour les techniciens, pour les chefs opérateurs, ben moi j'avoue qu'il y a des moments où j'ai un peu décroché, mais c'est normal, c'est pas mon métier. Mais c'est une mine, quoi. C'est une mine parce que tu te dévoiles, Darius, aussi sur ce qui t'a fait, ce qui t'a amené au cinéma, mais aussi sur ce que ton travail, ton métier, quoi. C'était le bon moment pour faire ce livre-là, parce que je crois que c'est un des premiers livres qui balaye comme ça, tout, qui revient sur tout ton parcours. Oui, je ne sais pas si c'était le bon moment, je pensais que... Il fonctionne. Je ne sais pas si c'était le bon moment, j'ai pensé que c'était le bon moment. On m'avait proposé dans le passé de peut-être faire des livres dans les années précédentes, et je n'ai jamais pensé que c'était vraiment... que j'avais... fait peut-être assez de films ou assez de choses à raconter ou de choses à dire sur les films, sur le cinéma, où je me sentais trop jeune, peut-être je me sentais maintenant assez vieux pour faire ça. En tout cas, cette fois-ci, j'ai accepté. Ah voilà, c'est... Oui, là, tu sens amplifié, là. Oui. J'ai senti que c'était peut-être le bon moment, je sais pas. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai essayé d'être le plus franc et le plus honnête possible. On n'a pas trop censuré de choses, je crois. Voilà. Parce que ce qui est passionnant, c'est que on part vraiment du début, des commencements, de ton enfance, de ton premier rapport au cinéma. Et ouais. On sent que c'est un rapport qui est très nourri tout de suite de films. Alors parle-nous peut-être de cette première expérience où tu vas voir King Kong et on va te tirer de la salle. C'est dans le livre, j'oublie très vite, le trauma initial. Non, j'ai grandi en banlieue parisienne près de Versailles, et on avait une petite salle de quartier. Le cinéma s'appelait Cinéma Normandie à Vaucresson. Et donc en général, ma sœur m'amenait au cinéma ou ma mère m'amenait au cinéma quand j'étais tout petit. Et très vite, j'ai beaucoup aimé les films d'épouvante, les films d'horreur, mais j'avais pas accès à ces films d'horreur. J'en voyais que des tout petits bouts. Mon frère, qui habitait en Angleterre, me ramenait des films en 8 mm ou des images ou des photos de films d'horreur, de films d'épouvante. Puis un jour, il y a King Kong qui passait à la salle de cette ville, de ce village. Et il était interdit moins de 13 ans. Donc moi, j'avais 11 ans et demi ou 12 ans, quelque chose comme ça. Donc ma mère et ma sœur m'ont habillé avec un costume pour faire un peu plus âgé et tout ça. Peut-être j'étais un peu plus grand. Et puis on s'est assis avant que le film commence. Et puis la police, les gendarmes sont arrivés. Ils ont fait le contrôle dans le cinéma. Et ils ont dit, mais votre fils a quel âge ? Oh, il a 13 ans, mais j'avais pas de pièce d'identité pour le prouver. On dit non, vous devez sortir. Et donc je suis sorti de la salle au moment où le générique de début du film commençait. Et ça, j'étais vraiment très très frustrant. Et je me suis juré que j'allais aller voir tous les films d'horreur dès que j'avais 13 ans. Et par la suite, j'ai pris le train, j'allais voir tous les films dans les salles parisiennes, au Styx, au Midi Minuit. Je me souviens plus du nom des salles qui montraient que des films d'épouvante. Mais j'étais voir, et c'est comme ça que je suis devenu cinéphile, en fait, très très jeune, par les films qu'on dit série B ou les films de vampires, tous ces films-là, quoi. Et donc certains particuliers qui m'ont vraiment après vraiment marqué, comme Frankenstein de James Whale et La fiancée de Frankenstein. Et des films de Dracula. Et moi-même, j'ai commencé à faire des films très tôt, à l'âge de 11-12 ans, comme ça. J'avais acheté une caméra en 8 mm, qui était une petite boîte en plastique que le père d'un de mes amis revendait, comme ça, qui devait être vieille, comme ça. C'était même pas du Super 8 à l'époque. Et je mettais mes économies dessus. Je commençais à faire mes propres courts-métrages. Parce que je voulais être réalisateur à l'époque, en fait. Je voulais faire des films comme réalisateur. Je pensais que le réalisateur était aussi celui qui tenait la caméra. Ouais. J'étais très fétichiste avec la caméra. Je pensais que la caméra était vraiment... Déjà très tôt. Oui, très très fétichiste, la caméra. Mais tout le temps, j'ai toujours eu une fascination pour les caméras.
Mais pas pour le côté technique, pour l'œil plutôt, pour la vision. Mais tu racontes ça ou à un moment c'était technique, mais après ça m'est passé. Dans les rues de New York où tu avais découvert un certain objectif et tu regardais ou ton premier appareil photo, je crois, et où tu avais et tu regardais la réalité à travers. Oui. Tu pouvais plus te c'était détacher. C'était un Nikkormat en fait. C'était un 24-36 que j'avais depuis l'âge de 15-16 ans où j'apprenais à tirer les photos en noir et blanc dans les maisons de la culture. Où j'allais développer et tirer des photos en banlieue. Et puis, donc je faisais mes photos, mes tirages moi-même. Et puis après, quand je suis allé à l'école de cinéma, je faisais tout, je regardais tout à travers cet appareil. C'était le premier cadre, en fait, la première caméra que j'avais. C'était un appareil photo 24-36, qui était un format de 24-36. Mais pour moi, c'était le cadre. Donc je m'apprenais à cadrer comme ça, à tout voir à travers un cadre. Je regardais tout. Les visages, les immeubles, mais pas seulement à New York, un peu partout. Je me servais de ça. Les rencontres, on va pas tout balayer, tout, mais on a du temps. Mais les rencontres sont importantes dans ton parcours et dans ta formation. Tu n'as pas fait d'école de cinéma en France, tu es allé aux États-Unis, tu es allé à NYU. Je pense que j'étais trop un cancre pour faire une école en France. C'est ce que tu disais, tu n'étais pas un bon élève. J'étais un très mauvais élève, j'étais très en retard scolairement, j'étais vraiment un camp. J'ai regretté par la suite parce que j'ai perdu beaucoup d'années à l'école et au lycée parce que j'étais vraiment, vraiment mauvais élève. J'allais au cinéma. Je faisais du karaté. Il faut se méfier de toi alors. J'étais à l'époque, mais j'étais pas très méchant, j'étais pas du tout agressif en fait. J'étais un doux, mais je faisais beaucoup de karaté. Ouais. J'étais fasciné par le karaté. Et j'en ai fait... c'est drôle parce que Stevenin, j'ai vu Stevenin. Et Stevenin était un fan de karaté. Il m'a vu passer mon premier dan. Non, incroyable. Oui. C'est dans le pont du Nord, la fin du pont du Nord de Rivette, avec Pascal Augier. Il y a toute une séquence. Et dans le tournage de Passe-Montagne, il parle de sa passion pour Le karaté. Karaté m'a beaucoup amené. Le karaté, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je crois que... Je ne sais pas si je serais encore vivant si je n'avais pas fait de karaté. C'était vraiment quelque chose qui m'a... Mentalement, formé. Un cancre, donc. Après, j'ai abandonné le karaté pour faire que du cinéma. Mais j'étais un cancre, donc j'ai perdu beaucoup d'années. Je regrette en fait de ne pas... Il y a bien beaucoup de choses que je regrette dans mon enfance, mon éducation, mon adolescence, et de ne pas avoir lu plus, de ne pas avoir lu beaucoup plus. Peut-être que si j'avais lu... Ça me manque beaucoup, ça. Maintenant, j'ai très envie de lire. Mais alors, à défaut de lire, tu as quand même vu énormément de films, énormément de peintures, énormément de photos de photographes. Oui. Grâce à ma sœur, parce que j'ai jamais fait d'études d'art, mais c'est ma sœur qui m'emmenait dans les musées à travers le monde et à travers des biennales d'art moderne. Très tôt, très jeune, c'est comme ça que j'ai découvert l'art. Ça, ce sont tes conseils aux jeunes directeurs de la photographie. Tu leur conseilles de voyager, de voir des peintures, de s'intéresser à la photographie et à la peinture, à la photographie, et de regarder surtout, d'apprendre à regarder. Ouais. Et d'écouter, d'apprendre à écouter et à le regarder. C'est les choses que j'ai appris petit à petit. À écouter quelqu'un qui vous parle, qui devient un metteur en scène quand on est jeune opérateur, il y a un metteur en scène qui vous parle, de l'écouter. Parce que dans ce que vous dit le metteur en scène, il y a en fait tout. Plus que dans le scénario, il y a vraiment l'image du film qui est pour moi tapis dans l'ombre. Et il faut apprendre à trouver l'essence de ce que vous dit le ou la réalisatrice ou le metteur en scène. Ça parcourt le livre, mais c'est le rôle du réalisateur, la personne du réalisateur, c'est primordial pour toi. Avant même le scénario, tu dis j'ai beaucoup de mal à lire le scénario, j'y arrive pas, je suis pas bon là-dedans. Première priorité, le réalisateur. Deuxième priorité, les acteurs. Les acteurs, oui. Le metteur en scène et les acteurs. Oui, le metteur en scène, parce qu'il est à l'initiative, c'est ce qui déclenche pour moi le désir de faire un film, c'est vraiment le cinéaste, le réalisateur. Et puis les acteurs, immédiatement, c'est le casting qui me donne le désir de faire un film. Il y a des castings, des acteurs qui, parfois, quand je ne me sens pas l'excitation de faire un film avec eux,
ça m'est arrivé de pas faire des films, de pas faire les films que je pensais faire. Mais c'est très lié au metteur en scène, donc c'est quasiment jamais arrivé parce que en général, je fais très très confiance au réalisateur, donc c'est arrivé parfois que je comprenne pas le casting d'un acteur ou d'une actrice et que je découvre par la suite, dès les essais, je découvre qu'en fait c'est le bon personnage pour le film. Il faut donner vraiment sa confiance, surtout au début, donner sa confiance au réalisateur ou à la réalisatrice, comme il ou elle vous le donne. Vous la donne. Alors, j'ai en anglais pendant les 4 derniers mois, donc. Pas de soucis. Je reviens un peu à ces années aussi de formation. J'ai découvert, je ne savais pas que tu avais été assistant sur les films de Duras, Agatha. C'est mon premier film comme assistant. Et L'homme authentique, moi, des films que j'adore. Ils sont magnifiques. Oui. Ça me fait plaisir de poser cette question. Ouais. À Trouville, au Hôtel des Roches Noires. J'ai lâché une chance extrême de travailler avec Marguerite Duras, que je connaissais un petit peu par une amie interposée, qui était mon amie. Qui connaissait Marguerite Duras, je ne sais plus exactement, qui m'a fait rencontrer Dominique Le Rigoleur, qui est directeur de la photographie, et qui m'a accepté dans son équipe. J'étais deuxième assistant caméra, pas un très bon assistant caméra, mais bon, ils ont eu la gentillesse de me faire travailler avec eux. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Moi, j'ai jamais été un très bon assistant. je suis devenu un assez bon assistant au moment où j'ai arrêté d'être assistant. C'est un peu au moment où je commençais à avoir la sensation du point, des acteurs, du travail d'assistant, où j'ai commencé à être vraiment un bon partenaire pour un directeur de la photo, un cadreur comme assistant, où j'avais vraiment le feeling. Juste cette année-là, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler comme opérateur. Ouais. Mais Marguerite, c'était une expérience extraordinaire de commencer dans le cinéma avec elle. J'ai vraiment... Ça, c'est une de mes plus grandes chances. Comment elle était sur le plateau, Elle était... elle insufflait le Marguerite, elle insufflait, elle était très très inspirante. J'aurais adoré faire un film, photographier un film pour elle, oui. faire l'image d'un film pour Marguerite. J'aurais adoré ça, vraiment. Mais là, c'était le dernier. Bruno Nutel a fait des très très beaux films avec elle, comme India Song. Voilà, c'est ça. Bruno Nutel, bonne transition, oui. Parce que ça, c'était une rencontre importante. Oui, j'ai rencontré Bruno Nutel, qui était un opérateur, un directeur de la photographie que j'admirais énormément. Je l'ai rencontré grâce à Pascal Marty, qui est un très bon, très très grand directeur de la photographie, qui travaille aujourd'hui, qui habite en France. Pascal Marty. Et c'est grâce à lui, qui était l'assistant de Bruno, que j'ai rencontré Bruno Nutel. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir du chef plaisir à travailler dans le cinéma. Chef opérateur de détective qui a réalisé Camille Claudel. Voilà. Grâce à Eduardo Serra aussi qui m'a pris sous son aile tout au début. C'est vraiment grâce à lui, à Eduardo, que j'ai premier pas dans la photographie sur un plateau en entrant de l'école de cinéma de New York. C'est vraiment grâce à Eduardo et à Pascal Marty que j'ai commencé à travailler sur des plateaux. Comment est-ce que toi tu définirais ton... Marguerite, c'était vraiment important ce début. Comment tu définirais toi par rapport à ces années de formation, comment se constitue un style? Toi, tu aimes dire que tu n'as pas de style, que ton style c'est celui du réalisateur. C'est vrai que j'aime dire que j'ai pas de style, mais j'ai pas l'impression, je vois pas mon style du tout. Au début, je mettais beaucoup de contraste dans l'image. Mais pardon, continue ta question. Non. Mais c'était comment tu définis ton identité de chef opérateur petit à petit à travers... Je ne sais pas. Dans l'ombre. Alors, j'enverse la question. Pourquoi les réalisateurs viennent te chercher, toi? J'ai aucune idée, mais il faut leur demander. Non, franchement, j'ai du mal à parler de moi-même de cette façon-là. Je suis sympathique, peut-être. Non, mais tu es associé quand même à une image. Non, mais sans fausse humilité, le style, pour moi, le style, je sais la pas. La patte, quoi. Oui, mais j'ai. Avoir une patte, c'est. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des directeurs de la photographie qui ont une patte que j'admire énormément. En plus. Alors, parlons de Storaro, par exemple. Quelqu'un qui a été très important pour toi, qui était un maître pour toi. Oui, Vittorio a une patte. C'est vrai, il a fait des films
extraordinaire. Il a peut-être une patte, ouais, un style, ouais, je ne sais pas. C'est très difficile de parler de son propre travail, en fait. Je peux parler du travail des autres. Je peux parler de tous les directeurs de la photo que j'admire. Il y en a vraiment énormément. Des vivants, des jeunes, des... D'accord, mais on va essayer de te faire parler de toi quand même. Mon propre travail, c'est... Alors, il y a James... C'est pas que c'est pénible, c'est un peu abstrait. Vas-y. Non, mais juste pour ajouter ce qu'a dit Darius, c'est, pour moi, en faisant le livre, c'est, j'ai vraiment cherché un style et en fait, j'ai pas vraiment trouvé non plus parce que chaque film est tellement différent. Là, il y avait tout à l'heure Beauté volée, projetée par Bertolucci. On parle dans le livre du fait que tu as fait Seven de Fincher et après Beauty Volée de Bertolucci. On ne peut pas regarder les deux films en disant c'est le même chef-op qui a fait les deux films. Exactement. C'est impossible. Et s'il y a beaucoup, beaucoup de contrastes, je trouve, à travers ta carrière, même là récemment, il y a le film de Frères Safdie que tu viens de tourner. Et avant, il y a Ruffin. Et j'imagine que le style des deux sont assez différents aussi. Complètement différents. Ouais. Il n'y a aucun rapport entre les deux films. Voilà. Donc pour ce moi. Ce sont deux films urbains. Oui. De metteurs en scène contemporains. C'est un peu des thrillers, les deux. Mais... J'espère qu'il n'y a aucun rapport en plus, non, parce que c'est vraiment des histoires tellement différentes que d'amener les valises d'un style, d'un bagage, d'un metteur en scène à un autre avec la façon de. Je sais pas, oui. J'ai envie à chaque fois de découvrir quelque chose d'autre. Parfois, on n'est pas toujours, on ne réussit pas toujours. D'ailleurs, souvent, on ne réussit pas ce qu'on veut faire. Quand je faisais Seven le lendemain, j'étais en Toscane, en plein soleil, alors que Seven, c'était un film très sombre, très noir, sous la pluie. C'était vraiment des expériences extraordinairement différentes. Et juste après, j'étais en Argentine sur Evita, qui était une comédie musicale, où les réflexes, le muscle doit être complètement différent. Le muscle de l'inspiration et l'envie de créer des images et de suivre un metteur en scène, il doit être très différent, parce que les réalisateurs sont très différents. On peut pas les aborder. J'ai pensé quand je suis arrivé en Toscane, j'ai pensé à la façon dont j'exposais sur le film à Los Angeles. J'ai pensé sous-exposer et j'ai fait des essais. Et ça ne correspondait pas du tout au film. C'est, Liv Tyler, on n'avait pas envie de l'éclairer avec ce qu'on dit en anglais des top lights, des éclairages par les plafonds. J'avais envie de l'éclairer complètement autrement. J'avais envie qu'elle amène elle la lumière ou de ne pas l'éclairer du tout. J'avais plutôt envie de ne pas l'éclairer du tout. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de style. Mais toi, tu en parles mieux. C'est... Alors, James Gray dit dans l'ouvrage, dans l'entretien, que tu es définitivement un chef-op européen, qu'il oppose au chef-op américain. Il dit que les chef-op américains sont ahistoriques, c'est-à-dire alors que quelqu'un comme Darius est nourri d'histoire, on sent les origines même picturales qui le nourrissent, quoi. Ça, c'est important. C'est peut-être pas un style, mais c'est, disons, que c'est une matière qui est... Et toi, quand tu prépares un film... Tout le temps, il y a des références de films, de peintures, de photos. Il y a quelque chose qui est très... Il y a une matière lumineuse, visuelle qui est là. Oui, parfois c'est la musique aussi m'inspire. La musique m'inspire beaucoup. Je suis très sensible maintenant, ces dernières années, à la musique et au rythme. J'ai découvert le rythme, encore une fois, très tard, mais c'est vraiment ce qui guide beaucoup pour moi dans les scènes, dans la façon de cadrer, de filmer, de mettre en place une caméra. Concrètement. Ou de me rendre compte qu'un plan ou une scène ne marche pas, c'est beaucoup avec le rythme. Et c'est beaucoup, je compare tout le temps maintenant à la musique. Un exemple concret. Un exemple concret sur le film en Corée avec Bong Joon-ho. On se rendait compte que les scènes ne fonctionnaient pas, que les acteurs et que le rythme n'était pas là. Et je me suis rendu compte que les metteurs en scène, en fait, écoutent souvent les scènes plus que... Certains des metteurs en scène que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, écoutent plus qu'ils regardent, en plus. Écoutent beaucoup par le casque, ils entendent les acteurs. Ça les guide beaucoup sur si la prise est bonne ou pas. Et c'est beaucoup une question de rythme. Et c'est une question de rythme aussi avec la caméra, comment la caméra se déplace par rapport aux acteurs dans une scène. C'est toute une question de rythme.
Des questions. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais si, si, si. Non, mais c'est des éléments. Non. Non, je veux dire, les influences, c'est pas toujours. Je fais toujours de la peinture parce que quand je pense aux influences picturales des tableaux que je regarde et puis après du film fini, moi je ne les retrouve pas tout de suite. Je ne vois pas tout de suite sur Lost City of Z, je ne vois pas tout de suite le douanier Rousseau par exemple, mais je sais qu'au moment où je le faisais, c'était vraiment important. Je regardais ces tableaux et Oui, je peux juste ajouter, quand on faisait les livres, à l'époque, tu étais en train de préparer Okja. Et je me souviens que chez toi, sur les tables chez toi, il y avait des livres de photos et de peintures. Et pour plonger un peu dans le film, tu cherchais des références photos. Oui. C'était plutôt la photographie américaine des années 60-70, à mon souvenir, pour Okja. Mais aussi quelques peintres et tout ça. Donc c'était vraiment, c'était pas regarder d'autres films, en tout cas à l'époque, quand tu lisais le scénario et t'étais en prépa, mais c'était beaucoup, beaucoup de livres de photos de grands photographes. Et je me rends compte, quand je t'écoute, je me rends compte aussi que les inspirations, c'est des inspirations d'une époque. Et il y a des inspirations qui durent, pour moi, qui durent sur 30 ans, par exemple. Robert Frank, par exemple, ce photographe américain, Robert Frank, qui a fait ce livre très connu, Les Américains, c'est une inspiration qui dure depuis Le Trésor des îles Chien. Je me souviens, Le Trésor des îles Chien, je me souviens, je faisais des photos, j'avais ça comme référence déjà très tôt, comme ça. Et après, c'est devenu une vraie référence pour Seven. Mais c'était déjà avant, 5 ans avant, sur Le Trésor des Ischènes, par exemple, en noir et blanc. Et puis après, ça m'est Dieu. Je regarde toujours Robert Frank. Récemment, je regardais Robert Frank et Gary Vaynerchuk, par exemple. C'est des références qui étaient déjà à l'époque d'Okja, en Corée, et dont je me suis servi pour le film des Frères Safdie, par exemple, à New York. On a beaucoup, beaucoup regardé les photos des photographeurs de rue, des street photographers. C'est des références qui ne sont pas seulement pour un film, parfois, qui servent parfois pour plusieurs films. Tu parlais même de la couleur et du cadre, pardon. Non, pour Seven, tu parlais de la façon dont tu filmais différemment les intérieurs. Les extérieurs qui étaient beaucoup plus clairs, les intérieurs qui étaient. Je ne veux pas rentrer dans une discussion technique. Non, ce n'est pas technique, c'est émotionnel, c'est pas du tout. Mais ce souvenir-là que j'en ai, c'est quelque chose de très. Une qualité de noir sur les visages, qui est assez particulière. Un film où il fait nuit en permanence, où il pleure en permanence. Mais c'est quelque chose qui était vraiment généré par le réalisateur, par David Fincher. Ouais. C'est vraiment lui je pense qu'il m'a fait venir pour faire la photographie de Seven, parce que aussi il avait vu le traitement que je faisais sur la couleur, sur les films précédents et sur des films publicitaires. Ces téléphones. Coupez vos téléphones, s'il vous plaît. Tout en mode avion. Il y a des films où, quand les téléphones sonnent, tu dois donner $20 ou $20, tu mets dans une caisse et après on tire au sort qui va gagner. Non, c'est vrai, je me souviens plus quel tournage on mettait de l'argent dans une caisse quand les téléphones sonnaient. C'est au début des portables, je crois. Une question, allez. Je passe un peu du coq à l'âne, mais il y avait deux questions que je me posais sur les. On parlait des décors tout à l'heure, et je pensais notamment à la place des repérages. Comment est-ce que. En fait, qu'est-ce que vous regardez quand vous rentrez dans un lieu? Quelles sont les premières choses que vous voyez et quelles sont les premières questions que vous vous posez? Quand je regarde, c'est une question, on a envie de répondre très bien, et puis on a envie de répondre aussi très bien, mais la vérité, c'est. Sur les repérages, parfois, on est dans un van avec une équipe, dans un minibus avec une équipe, et on rentre après des kilomètres et des kilomètres, tout d'un coup, on ouvre les portes et on se retrouve dans un décor, d'un décor à un autre complètement différent. Et là, tout d'un coup, je parlais de muscles. Il faut que tout d'un coup, le muscle de l'inspiration, de la découverte,
fonctionne tout de suite. Et il ne fonctionne pas toujours tout de suite, ça ne fonctionne pas. Parfois on est fatigué, on vient de dormir, on vient de se réveiller, ou je sais pas. Mais ce qu'on regarde, la première chose qu'on regarde sur les décors, c'est l'espace. Bon. On voit, parfois on est encombré d'un problème qui vous vient immédiatement. Moi je dis, vous me posez une question, donc je réponds à cette question, mais c'est vraiment mon point de vue à moi, c'est pas celui d'autres directeurs de la photo qui seraient à ce moment-là. Mais disons que moi, j'essaye de me antiparasiter complètement de tout ce qui est technique, tout de suite, et de suivre le réalisateur et les deux curateurs en avant, je les mets en avant, je les laisse aller en avant, et j'essaye, je demande au premier assistant de garder l'équipe en arrière, et moi je suis le réalisateur et le décorateur, le chef décorateur, et je les laisse tout seul un peu en avant. Ensuite moi je suis là, et essayer d'être le moins distrait possible par des choses techniques. On voit un décor tout d'un coup, on dit mais comment on va accrocher ces projecteurs là, comment on va pouvoir éclairer, on revoit la scène, on relit la scène si on ne l'a pas déjà lu dans le minibus. Et on s'est dit, mais comment je vais faire? Mais comment cette scène, elle dure je ne sais pas combien de temps? Et la lumière va changer dehors. Et comment on va faire? Alors, on commence déjà à réfléchir, on va mettre les projecteurs. Et tout ça, pour moi, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'imprégner du lieu avec le temps qu'on a. Sinon, il faut revenir dans ce décor. Avec le réalisateur et le décorateur, il faut vraiment les laisser réfléchir et tout d'un coup échanger des idées avec eux. Commencer à échanger des idées. Et à partir de ces échanges d'idées, va arriver une vision du décor qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus simple à éclairer, beaucoup plus pratique et beaucoup plus forte comme image d'un décor. Vous voyez ? Ouais. Mais la réalité, c'est que quand on va de décor en décor, on est assailli d'éléments parasitaires qui vous viennent et qui vous disent... Vous savez, comme des démons qui vous disent « Ah non, ça, il ne faut pas faire ce décor-là, on ne peut pas... » Parce qu'on vous demande, est-ce qu'on peut l'éclairer, ce décor? Souvent, on me demande, on peut refuser un décor aussi. On peut dire « Ce décor, je ne peux pas tourner dedans. » Mais il faut vraiment... en fait, presque tous les décors, si le réalisateur avec qui vous avez confiance et qui a confiance en vous a vraiment une intuition forte que c'est le décor pour la scène et pour l'histoire, il faut trouver une façon de fonctionner, alors que certains décors sont inimaginablement aberrants, sont fous par rapport à ce qu'on peut faire, aux moyens qu'on a. Mais il faut essayer de les aborder avec une grande ouverture d'esprit. Je ne dis pas que je le fais moi toujours, mais c'est comme ça qu'il faudrait le faire idéalement. D'accord. Je réponds très longuement à une question. Et j'avais du coup une deuxième question, parce que vous parlez encore de la collaboration, en quoi c'est quand même encore une question de collaboration, que ce soit dans les décors ou quoi que ce soit, mais de la collaboration avec l'étalonneur, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que c'est à travers des échanges de références? Est-ce que c'est... quel type de dialogue il se crée avec l'étalonneur? Avec l'étalonneur du film... Je réfléchis parce que j'ai eu des étalonneurs avec qui j'ai fait pratiquement tous mes films. Donc il faut que je revienne au tout départ de mes premiers courts-métrages avec Yvan, par exemple. Mais l'étalonneur, non, c'est un échange beaucoup de références. Les étalonneurs vous demandent souvent des références de tableaux, de photos, d'ambiance ou d'images qui sont importantes dans la genèse, dans ce que j'appelle le Big Bang du film, qui est le tout début de la naissance de l'idée de l'ambiance du film. J'appelle ça le Big Bang. Mais ils vous demandent, souvent les étalonneurs vous demandent des images dès le début, pas seulement à l'étalonnage final du film, mais pendant au moment des rushs ou avant. Et on n'a pas toujours ces images, on n'a pas toujours ça... On n'a pas toujours toutes les images d'inspiration du film. Mais on a une idée, heureusement. Par rapport... alors, je pose une question, après je vais vous donner le micro. Je sais que la pellicule, l'argentique, était très important pour toi. Le film, la pellicule, oui. Voilà, tourné en... Voilà. Et comment tu as abordé le... Parce que tu tournes en numérique. Oui. Tu as tourné en numérique. Oui, j'aime bien tourner en numérique. Voilà. Comment tu as abordé cette transition? Comment tu évalues l'apport du numérique? J'étais, non, c'est une très bonne question. J'étais,
très longtemps, j'étais trop longtemps effrayé un peu par le numérique. J'étais entre un peu une sorte de peur et ou de répulsion ou de dégoût un peu de numérique au début, au tout début du numérique, de fascination parfois. C'était un mélange de choses, d'excitation. Par moments, il se passait des choses différentes au tout début de la façon dont j'abordais le numérique. Et c'est seulement maintenant, petit à petit, j'ai toujours beaucoup de mal avec le numérique. J'ai toujours du mal. Il y a des projets que je fais en numérique, ou par exemple le projet du film coréen avec Bong Joon-ho, où j'ai vraiment apprécié tourner en numérique. C'est tourner avec cette caméra qui s'appelle l'Alexa 65, qui est une caméra avec un grand format numérique, qui est comme un 70 mm, un peu comme un VistaVision numérique. Avec cette caméra, j'ai beaucoup de plaisir à tourner en numérique. J'ai fait beaucoup d'essais entre cette caméra, de la pellicule, et des caméras, disons, 35 mm numériques, comme une Alexa normale, à format 35 normal. C'est très technique, pardon. Non, tu m'as entraîné dedans. Tu m'as entraîné dans le technique. Là. Non, ce qui me rassure, c'est que la moitié de l'audience comprend. Donc ça va. Mais l'Alexa 65, c'est une caméra qui me donne énormément de plaisir parce que j'ai toujours eu énormément de plaisir au grand format. La captation ou l'enregistrement du grand format, parce que pour moi, elle représente la réalité d'une façon plus, presque plus réelle, presque plus immédiate. Elle enregistre. C'est pas le piqué qui m'intéresse dans l'Alexa 65 ou dans les grands formats. C'est comme si on était avec une chambre. C'est plus par rapport au début du siècle dernier. J'imagine toujours que c'est quelque chose qui enregistre plus de photons, qui enregistre plus les particules de lumière et qui enregistre plus les visages, qui enregistre plus les paysages. Et je suis fasciné par les grands formats. J'aime beaucoup les grands formats, mais c'est très compliqué de tourner avec grand format parce qu'il faut des objectifs qui couvrent les grands formats. Donc, et moi, les objectifs que j'ai eu envie d'utiliser, par exemple, j'aime beaucoup les objectifs cinémascope anamorphiques. Et les objectifs anamorphiques en grand format, c'est très compliqué d'utiliser maintenant. Tout ça, c'est en devenir. Dans les années à venir, on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui. D'accord. Mais disons que j'aime beaucoup le grand format et le numérique. J'apprécie énormément de tourner en Alexa 65, en grand format. Mais la série que j'ai fait avec Nicolas Raffen était en format en Alexa normal, en 35. Et j'ai aussi beaucoup aimé tourner avec parce que je tournais tout le temps à grande ouverture. Et qui revient un peu à tourner avec un grand format quand on tourne à grande ouverture où il y a moins de profondeur de champ, où on peut contrôler beaucoup plus sa profondeur de champ. Tout d'un coup, on peut donner plus de contrôle sur la profondeur de champ. Et les essais que j'ai faits entre les grands formats comme l'Alexa 65 et le 35, je me suis rendu compte que la façon dont on photographiait un visage, avec le même gros plan, avec les deux caméras, était complètement différent. Et quand on passait du grand format de l'Alexa 65 au format normal, le visage semblait presque un nain, presque. Il y avait une beaucoup moins belle, un beaucoup moins beau rendement du visage, de la peau, de la structure, de l'architecture du visage. Et donc j'ai très envie de tourner. Mais c'est pas très démocratique, c'est difficile de tourner avec ces caméras parce qu'elles sont plus chères. Un des premiers films que tu as tourné en numérique, c'était avec Michael Haneke, c'était Amour, je crois. En numérique. En numérique, ouais. Oui, c'est Amour. Amour. Oui, oui. Et c'était pour des raisons esthétiques, mais c'était aussi pour des raisons de par rapport aux comédiens aussi. De mon côté, c'est parce que je voulais vraiment tourner. J'imaginais vraiment que c'était comme ça qu'il fallait tourner ce film. Je l'imaginais d'une façon un peu conceptuelle. Je pensais qu'il fallait enregistrer plutôt la vie des 6 derniers mois de la vie de ces deux personnes. Plus comme un enregistrement, comme on enregistre le son, ou comme on met une caméra de surveillance. C'était plus l'idée d'enregistrer que de filmer d'une façon picturale. J'étais parti plus dans cette idée-là. Ça a donné lieu à des tensions avec Haneke. Michael avait plus envie de tourner en film au départ. Il n'avait pas imaginé tourner en numérique. Et puis après, il a embrassé l'idée de tourner. On a fait des essais. Et dans les essais comparatifs, c'est très troublant parce que si on fait des essais comparatifs entre le 35 mm film et le numérique, si on fait des essais comme ça, très simples, avec la même lumière et tout, surtout avec une lumière contrastée,
on se rend compte que c'est très proche. On peut arriver à leurrer complètement et imaginer que le numérique est exactement comme la pellicule. Mais en fait, je reviens maintenant dans le sens inverse, je pense que c'est très différent. C'est très différent. La sensation du... Parce que sur les derniers films, j'ai tourné en 35 mm à New York, le film des frères Savini, mais j'ai tourné aussi en numérique. Il y a des scènes, parce qu'avec le budget qu'on avait et le plan de travail et la façon dont on voulait tourner le film, je pensais que c'était pour les deux réalisateurs, c'était mieux de tourner certaines scènes en numérique. Donc on a tourné aussi en numérique. Mais c'est, je me suis rendu compte que la pellicule, c'est quand même vraiment très très beau. Quoi. Mmh. Ça reste très beau, très beau. Non, mais le numérique est fantastique pour un nombre incalculable de situations où le numérique est, c'est évident, c'est très beau. C'est vrai qu'on peut reconstituer exactement comme en pellicule, mais la sensation de la pellicule et la simplicité avec laquelle on filme, on expose et on tourne une scène, c'est quand même. Donc je suis beaucoup en discussion avec les dirigeants de Kodak aux États-Unis pour essayer de les pousser à faire une autre pellicule, de créer une nouvelle pellicule à partir d'anciennes pellicules pour avoir du grain, mais avoir beaucoup plus de sensibilité, faire une pellicule beaucoup plus sensible, mais qui aurait de la... Parce que tous les metteurs en scène et les directeurs photos, en fait, ce qui nous plaît dans la pellicule, c'est la matière, d'avoir un peu de matière. Et quand on tourne avec, par exemple, la 50-19, la Kodak de base, qui est très sensible, qui est, disons, 400, qu'on pousse facilement à 1000 ASA, qui est 500 ASA, à 1000 ASA, qu'on la pousse, elle n'a pas de grain, il n'y a pas de matière, il y a à peine de matière. Nous, par exemple, le dernier film, il est entièrement poussé d'un diaph. J'ai tout poussé d'un diaph, parfois poussé de deux diaphs, parce qu'il n'y a pas de matière, il y a très peu de matière. Mais il faudrait faire une nouvelle pellicule avec... un petit peu de matière qui est du grain, en fait, qui est un vrai grain sur la pellicule, comme on a avec le 16, quand on l'agrandit énormément. Mais avec, par contre, beaucoup plus de sensibilité, parce que ce qui est très beau aussi dans le numérique, parfois, qui nous sert beaucoup, c'est la sensibilité du numérique. Je veux juste on voit presque trop. Pardon. Je veux juste ajouter une chose. Trop, non, c'est ce que tu dis sur la pellicule, le numérique et la pellicule, c'est que, par exemple, un film comme Seven... où il y a eu un traitement de pellicule, traitement sans blanchiment sur les copies du film. Nous, quand on a fait le livre ensemble, on a regardé en Blu-ray The Seven chez toi, à la télévision, et tu as parlé de processus de traitement de pellicule. J'ai pu plus ou moins comprendre sur le Blu-ray, mais quand la semaine dernière à New York, il y avait une copie 35 mm en CCE, CCE avec le processus de sans blanchiment projeté. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Ouais. J'ai compris en fait ce que sur la couleur. Voilà exactement ce que tu voulais faire. Ouais. Et c'était pas facile à voir à la télévision sur un DVD en Blu-ray, mais avec une projection, c'était complètement autre chose. Voilà, il y a une rétrospective de certains de mes films à New York qui vient de se terminer. Et dans la rétrospective, il y avait Seven, il y avait une copie 35 mm de Seven qui date des années 90, de l'époque où où une partie des copies de la série est sortie avec un procédé que Deluxe, le laboratoire Deluxe avait fait, en laissant de l'argent sur la pellicule qui opacifiait les noirs et qui fait qu'en projection, les noirs étaient comme de l'encre de Chine, étaient très forts et qui désaturaient un petit peu la couleur. Et donc... Il y a eu une copie comme ça et c'était vraiment magnifique à voir. C'était vraiment moi-même j'étais vraiment scotché à voir de voir le. Il y avait très longtemps que j'avais pas vu une copie 35. Moi j'ai pas l'habitude de regarder mes films peut-être, mais ce film-là en tout cas avec cette copie c'était très beau. Et puis après on a vu The Beach aussi qui était tiré avec en Technicolor avec le. Mais pour Seven, ce qui est les copies qui sont passées en France avaient ce traitement-là ou pas du tout? Non, c'était la copie de la Cinémathèque. Je l'ai pas vue en. D'accord. En projection, c'était une copie 35 qui était très abîmée, qu'on a eue, mais... D'accord. Comment ? Elle était très abîmée, oui. C'était là. Ouais. Ça coûte mieux, en plus. En plus, oui. Bah, donc c'était bien... Moi, j'ai du mal à regarder mes films, donc je sors toujours de la salle. Je ne supporte pas de voir tous les défauts. Oui, en fait, c'est une petite réflexion. J'ai tombé par hasard, c'est par rapport au travail avec les lumières, les choix de lumière en fait. Parce que vous avez dit tout à l'heure,
j'aime être dans l'ombre. Et justement, en fait, c'est le travail d'ombre qui m'intrigue un peu dans mon travail. Parce qu'une fois, j'ai tombé sur une copie en noir et blanc d'un tableau de Velázquez, le vendeur d'eau. Et j'ai trouvé par hasard comme ça, j'avais l'impression que dans Seven, il y avait certains choix. Parce que les ombres, ils n'étaient pas respectés naturellement. C'est-à-dire, si on regarde comment étaient éclairés les personnages de ce tableau, on voit que la source de lumière, elle n'est vraiment pas la même. Ce n'est pas possible. Donc, il a éclairé par rapport à l'histoire qu'il veut raconter. Et dans Seven, il y a des moments quand ils sont dans le couloir, quand ils frappent, et quand le criminel lui tombe dessus, lui met l'arme sur la tête, il y avait des choix de lumière. Il me semblait aussi que c'était pas logique naturellement, mais il y avait un choix bien précis. Et c'est ça que je voulais comprendre, pourquoi dans certains moments vous choisissez bien une lumière à l'autre. Dans la course poursuite, quand il a le revolver, ouais, à la fin, ouais, 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 qui tombe, tout à fait, ouais. Dans la course poursuite, ouais, ouais. Mais ça, c'est la lumière naturelle qui tombait sur lui. Mm-hmm. Donc c'est peut-être un effet de en fonction de la position de la caméra, en fonction de la position de, ouais, la caméra, la lumière prend un angle différent en fait. Mais ça, c'est une lumière naturelle qu'il y avait sur lui qui tombait. D'accord. Il y avait peut-être. Il me semblait qu'il y avait des moments où il y avait des sources de lumière différents. Dans sa veine, pas uniquement là. Mais souvent ouais, ça arrive souvent que les lumières ne soient pas logiques dans mes films, dans mon travail. Parfois, c'est arrivé, donc je ne veux pas me défendre de ça. Ouais. J'aime beaucoup que la lumière soit logique, j'aime beaucoup que la lumière soit vraie. Mais je pense en particulier dans cette séquence de Seven et dans ce plan particulier, la caméra est en dessous, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et ouais, ensuite, il y a le visage. Exact. Et il y a le revolver. Exact. Et ça, c'est l'angle de la... Non, il y avait peut-être un projecteur en haut, mais je ne me souviens pas que c'était faux. Okay. Ce serait intéressant de le voir, de le regarder. Non, c'est... En fait, la question, est-ce que vous choisissez ou vous dites au réalisateur, enfin, vous donnez un avis par rapport aux positions de caméra et de la lumière, ou tout est venu... Enfin, tout vient de lui, quoi. J'aime bien que la lumière... Pour répondre à votre question, j'aime bien que la lumière soit le plus vrai possible, soit le plus... D'accord. Si je le fais pas, c'est une faiblesse de ma part. C'est quelque chose que j'ai pas réussi, mais j'aime bien que la lumière soit le plus vrai. Il y a toujours quelque chose de très beau dans la vérité de la lumière. Parfois, je mets des lumières, ce que j'appelle les lumières indicibles, des choses qui sont pas vues à l'œil nu au premier regard d'un film. Mais si on regarde bien, ou par les gens qui s'intéressent, qui approfondissent vraiment, l'image, voient ensuite, c'est des lumières qui sont comme des lumières subliminales, un petit peu très très oui, très très basses, des contre-jours où on sent à peine derrière un liseré de lumière derrière, ou une lumière qui tombe sur le visage, où c'est pas tout à fait noir, où il y a tout petit peu de où le visage ressort un tout petit peu. Mais j'aime bien que ça soit vrai. J'aime bien après que dans le décor, à cet endroit-là derrière, il y a effectivement une source lumineuse qui émane cette couleur de lumière, même si elle est très faible. J'aime bien que ça soit vrai. Et si vous voyez qu'elle n'est pas vraie dans un film que j'ai éclairé, c'est vraiment une non, une c'est erreur. Pas, c'est pas vrai. Enfin, j'avais l'impression que des une fois, faute. Il y avait un choix bien précis d'une projection. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une recherche d'un nombre précis, oui, pour raconter l'histoire. Alors, peut-être que je me trompe. Non, 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 c'est non, parce non, que c'est plus naturel. Ça m'intéresse. C'est un plan. C'est juste un plan, en fait. Voilà. Ça m'intéresse. Oui, oui, mais c'est possible, oui. Je vais le regarder maintenant. Oui. C'est vraiment la fin de cette poursuite, tout le monde est là. Oui. Non, c'est intéressant. Ouais. Je me souviens plus très bien de tous les. Alors, mais ce plan-là, je m'en souviens un peu. Question plus large. Quel rapport, Darius, tu as avec les réalisateurs avec lesquels tu travailles ? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe sur un plateau ? C'est-à-dire que c'est une relation de confiance, de tension. Toi, tu as bien chacun a son domaine. Comment est-ce que ça se passe ? Lui s'occupe des comédiens. Toi, est-ce que je pose plusieurs questions en une. Hein. Toi, tu cadres. Non, tu ne cadres pas, je crois. Sur les longs métrages, maintenant, je ne cadre pas. Je mets souvent en place la caméra, mais je ne cadre pas moi-même. Je n'exécute pas moi-même le plan. D'accord. Parce qu'à cause du nombre de répétitions de mouvements, et souvent, ouais, je travaille avec des enseignants qui sont très précis, qui veulent exactement le même cadre sur 20 ou 30 ou 40 prises. Donc, il y a un cadreur. Je préfère qu'il y ait un cadreur.
D'accord. Et eux aussi, d'ailleurs, c'est très bien pour eux. Nick Raffen, qui n'avait pas l'habitude d'avoir un cadreur, après, quand je suis parti, après les 5 épisodes, il a tenu à avoir un cadreur. D'accord. On avait un cadreur extraordinaire. Mais j'aime bien avoir des cadreurs qui cadrent mieux que moi. Ceux qui cadrent vraiment très, très, très donc bien. C'est possible. Si, quand je sens les... Non, non, bien sûr que c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais moi, je ne considère pas cadrer extraordinairement bien, mais je cadre d'une façon intuitive aussi. Et quand je prends un cadreur, j'aime bien qu'il exécute très, très, très bien les cadres. Ou s'il amène quelque chose de personnel, qu'il amène quelque chose de vraiment très riche qui amène au plan. Mais si je vois quelque chose que moi je ferais mieux au cadre, c'est un petit peu... Ça crispe. Ouais, ça mérite et je le fais sentir assez vite, d'une façon polie. Première partie de la question. Chaque réalisateur et les rapports avec les metteurs en scène est différent selon le metteur en scène, que ce soit avec Michael Haneke ou avec Bernardo Bertolucci, c'est tellement, ils sont tellement différents, c'est pour ça qu'on parlait de style, ils sont tellement différents que les styles des images sont différentes, leurs préoccupations sont différentes, les jours sont différents, c'est-à-dire qu'il y a des jours où le metteur en scène arrive complètement omnibulé par un plan, par une image, par une lumière, comme s'il était persuadé qu'on n'allait pas réussir la lumière de cette séquence, où il voyait tout comme tout faux. Parce qu'il est obsédé par sa scène et qu'il y a quelque chose dans la scène qui ne fonctionne pas pour lui. Il y a plein de cas de figure différentes avec le metteur en scène. Mais c'est le plus important, c'est la confiance. Elle est présente. Toi, tu ne peux travailler que dans ces conditions-là. Moi, je peux travailler que si j'ai la confiance, vraiment la confiance du réalisateur. Et certains réalisateurs, par nature, on ne donne pas leur confiance très facilement. Mais il faut la gagner. Alors... J'enchaîne avec une sous-question. Quand tu arrives dans l'univers de réalisateurs qui ont travaillé longtemps avec un autre chef opérateur, oui. Tu parlais de Wong Kar-wai par exemple. Oui, de, oui, voilà. Avec Chris Doyle. Oui. Voilà. Et comment on trouve son espace? Comment on arrive à. Sans parler forcément de Wong Kar-wai, parlons de quelqu'un d'autre. Mais... On trouve plus difficilement son espace. C'est plus difficile de trouver son espace. Mais il faut trouver cet espace, il faut trouver la longueur d'onde. C'est comme une radio, il faut trouver la bonne longueur d'onde avec les désirs du metteur en scène et ce qu'il a dans son imaginaire, comment il imagine son film et comment il le ressent. Et trouver la bonne longueur d'onde, c'est très important. La longueur d'onde et la confiance avec chaque réalisateur, quelle que soit leur différence de l'un à l'autre. Mais en général, je trouve de plus en plus facilement. Touchons du bois. Je veux que ça continue. Je fais, c'est pas une question. Je fais juste un petit listing pour de ta filmographie pour que tout le monde ait. Voilà. Ça te fait une pause et. Ça va être long. Non, mais elle sera sélective. Oui. Le trésor des îles chiennes de Hossang dont on parlait. Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, La cité des enfants perdus, Caro et Jeunet. Seven, David Fincher. Beauté volée, Bernardo Bertolucci. Evita, Alan Parker. Alien Résurrection, Jean-Pierre Jeunet. La neuvième porte, Roman Polanski. The Beach, Danny Boyle. The Interpreter, Sidney Pollack. Zidane, un portrait du 21e siècle, Philippe Parreno et Douglas Gordon. Funny Games, Michael Haneke. My Blueberry Nights, Wong Kar-wai. Alors il y a les films de Parreno, juin, 8 juin 68, voilà, Parreno, Midnight in Paris. J'aime beaucoup les films avec Philippe. Mais on va en parler. C'est vraiment le plus important pour moi. On va en parler. Midnight in Paris, Woody Allen, Amour, Haneke, The Immigrant, James Gray, L'homme irrationnel de Woody Allen, The Lost City of Z de James Gray, Okja de Bong Joon-ho. Ah, c'est le dernier, oui, d'accord. Juste pour ajouter, ça, c'est une filmographie sélective de films qui sont discutés dans le livre, mais il y a 10 longs métrages encore en dehors de ces 20 films. C'est ça ? Oui. Yeah. Des films, là, tout cité, non ? The Ruins, Carter Smith. Il n'y a pas Sherry. Ah, oui, oui.
Oui, Philippe Parrainot. C'est une collaboration extraordinaire avec Philippe Parrainot qui a commencé grâce à un ami qui m'a fait rencontrer Philippe Parrainot, qui est un des plus grands artistes contemporains. C'est grâce à Mathias Augustignac, qui a ce groupe qui s'appelle M&M, qui sont des artistes, des graphistes. Et grâce à lui, qui m'a fait rencontrer cet ami, Philippe Parrainot, avec qui j'ai fait Zidane. C'est difficile de dire que j'ai fait Zidane parce qu'il y avait 17 caméras. j'ai aidé à orchestrer cette pièce, qui est une pièce d'art moderne, en fait, qui est une œuvre, et qui est aussi un film, qui a été tourné avec 17 caméras, dont 12 caméras 35 mm. Et deux caméras Super 16 et le reste en numérique. Et donc voilà, j'ai orchestré en fait tout ça, j'ai aidé à conceptualiser ça, ce film qui était fait par deux artistes, Douglas Gordon et Philippe Parrainot. Et à partir de là, il y a cette collaboration avec Philippe Parrainot qui est très importante pour moi. Pour ceux qui n'ont pas vu Zidane, c'est en temps réel, un match, je sais pas, c'est un match Real. C'est un match du Real de Madrid en 2005. Villarreal, non, je sais pas. Non, je me souviens plus, c'est Villarreal. Non, c'est pas Barça. C'est Villarreal, c'est ça, ouais. Et en temps réel, donc, vous filmez Zidane sous tous les angles avec une précision un peu. Voilà. Essayer de percer le mystère. Avec des zooms, voilà. Donc, on a fait des essais pour plusieurs soirs. On a fait des essais, enfin, surtout particulièrement une nuit. Pas avec Zidane. On a fait des essais avec d'autres joueurs. Oui, d'accord. Des joueurs espagnols qui étaient là, des essais de pellicule, des essais d'exposition, des essais de lumière. Mais on a utilisé les lumières du stade parce que je voyais pas comment on allait éclairer autrement que le stade. En plus, c'est très beau la lumière d'un stade. Moi, j'aime beaucoup la lumière des stades. Pour moi, c'est quelque chose de très exotique parce que j'aimais pas spécialement le foot quand j'ai grandi. J'ai appris à aimer le foot par la suite. Et j'aime beaucoup la lumière des stades, en fait. Et ça va complètement à l'encontre de tout ce que j'aime d'habitude en lumière, parce que c'est une lumière qui a des ombres multiples. Et j'aime pas du tout les ombres multiples au cinéma. J'aime pas du tout avoir plusieurs ombres. Une des premières choses qu'on apprend à faire, les directeurs de la photo qui ont une tenue comme ça, c'est d'éliminer les ombres et d'avoir une seule ombre. Avec une lumière. Ça me paraît un peu ridicule de le dire maintenant comme ça, mais c'est vrai. Et les stades, dans les stades, il y a des ombres, il y a plusieurs ombres. Et donc j'avais vraiment un problème avec le fait qu'il y ait plusieurs ombres. Heureusement, j'ai vite passé ce stade-là. Et j'ai appris à aimer la lumière du stade de Bernabéu de Madrid, qui est très argentée, qui est une lumière argentée, scintillante et électrique comme ça, et très, très, très belle. Et on a fait, pour ce film, on a fait une visite on a fait visiter à tous les cadreurs et à toute l'équipe technique le musée du Prado. Et les deux artistes, Douglas Gordon et Philippe Parrainot, ont parlé de l'histoire de l'art, des tableaux. On a regardé des tableaux qui nous intéressaient en particulier et comment les tableaux avaient été faits, la peinture, les directions lumière, les cadres et tout ça. C'était une visite guidée par eux dont on était seul dans le musée. C'est assez extraordinaire, c'est une expérience extraordinaire qui était à l'origine, c'est Philippe qui l'avait organisé. Parce que ces films avaient été projetés également au Centre Pompidou, moi beaucoup marqué le parcours du cercueil, des dépouilles de Robert Kennedy. Oui, oui. Qui a été tourné en 70 mm. Voilà. Ça, c'est magnifique. On a tourné avec une caméra 70 mm dans le nord des États-Unis, sur un train. Oui. Très très, ouais. Très belle installation. Ça, c'est encore un grand format, donc c'était très très beau de voir cette image à Beaubourg. Elle était projetée en 70, mais par ailleurs, elle est projetée en DCP2K, ce qui est un peu dommage, mais en 70 mm, elle est vraiment, elle donne tout son intérêt. Je voulais juste ajouter que dans le livre, il y a tout un chapitre que sur ton travail avec Philippe Parrainot, parce que quand on parle du style, des changements de style, en fait, chaque film que vous avez fait ensemble avec Philippe,
c'est complètement différent au niveau du style, c'est en format différent. Il y a 70 mm, il y a 35 mm, il y a Alexa 65, ouais. Il y a des cadres différents. Et donc on voit déjà cette idée de changer de style souvent, même dans le court-métrage et le long-métrage avec Philippe. Oui, c'est pas, on n'a pas tellement l'idée de changer de style avec Philippe, mais c'est juste que le sujet génère un autre désir de format. Ou l'envie de tourner, parce que par exemple là on a un projet où Philippe me parle de tourner en 16 mm et de faire des projections arrière derrière un aquarium. À chaque fois il y a un désir différent qui génère une image, un style, disons. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec le mot style. J'ai dit patte après. Comment ? J'ai dit patte. Patte, ouais. Mais encore plus, j'aime pas. On a parlé de films, et puis là, justement, je faisais la transition avec une autre célébrité, puisque tu as fait autour de Zidane. J'ai découvert il y a quelques années, un peu par hasard, que tu avais éclairé une tournée de Madonna, enfin un concert de Madonna. Un concert de Madonna en Argentine. Et le clip Frozen, justement, qui travaille beaucoup sur le noir. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Avec Chris Frozen. Cunningham. Ouais. Ah oui, ça c'était une collaboration aussi fantastique avec Chris Cunningham, ouais, qui est un ami qui vit à Los Angeles, et avec qui j'ai fait ce clip de Left Field, qui est un clip que j'aime beaucoup, qu'on aurait pu montrer, qu'on a montré à New York dans la rétrospective. Un clip pour un groupe qui s'appelle Left Field, un musicien, et le clip de Madonna aussi. Ouais. Et ça, c'était très beau. Ouais. Et ce format, il est en format pour la télévision, c'était en format 1.33 à l'époque. On l'avait fait en 1.33. Et c'est en tournée en 35, oui. Mais c'est très minimaliste, c'était dans le désert la nuit, avec juste un projecteur sur elle, et en plein jour. Oui, c'était noir, le noir du chien noir, des corbeaux dans le ciel, du tissu noir, qui est filmé à l'envers. Et la tournée, quelques années après. La tournée, je ne sais pas si c'est très intéressant d'en parler. C'est elle qui m'a demandé de venir superviser une tournée. Mais elle avait déjà un directeur photo, elle avait un éclairagiste pour la tournée. Tout était. Elle m'a dit non, si tu es libre, viens juste pour être avec moi, pour être sûr que dans le DVD qu'on va faire, le film qu'on va faire sur la tournée, je sois bien éclairé. Et j'étais libre à cette époque, et c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et donc je suis allé. Mais c'est vraiment. C'est une caprice. Je lui dis alors, à la fin, je lui dis alors, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle me dit mais non, c'est très important que tu sois là. Mais il y avait eu besoin de rectifier ou pas ? Je me suis moqué d'elle. Oh. Rien du tout. J'ai rien fait. Oh. j'ai pas eu l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Attends, c'est ses caprices. Hein. Caprices. Elle fait des caprices. Ouais. Je vais faire passer le micro, mais première priorité, les réalisateurs. Deuxième priorité, les acteurs. J'aime beaucoup la façon dont tu parles de certains acteurs qui savent très bien comment ils sont filmés et quel focal le directeur de la photographie utilise. Et tu parles de DiCaprio, par exemple. Parle-nous de ton rapport avec certains comédiens qui t'ont impressionné, fasciné par la relation qu'ils établissent avec toi aussi, ou comment ils arrivent à instaurer ce rapport avec la caméra. Oui, c'est un rapport. C'est un rapport un peu de... Disons que je suis très, très fasciné par les acteurs. J'aime beaucoup les acteurs. J'ai appris à les aimer par moi-même. Je me suis mis à aimer de plus en plus d'acteurs. Que je vois au début de mon travail, où je filmais les acteurs. C'est des bons acteurs, des mauvais acteurs, des acteurs moins bons. Mais j'ai appris à être fasciné par tous les acteurs. Tous les acteurs me fascinent. Et comment ils se transforment et comment ils deviennent les personnages. Et leur fragilité... ou ce qui semble être leur fragilité aussi, et la façon dont ils se déplacent dans l'espace, et la façon dont les metteurs en scène les dirigent, ce que les metteurs en scène leur disent, et aussi la façon dont certains acteurs ont d'avoir une je sais pas dire une facilité, mais ils ont quelque chose d'inné avec la caméra ou avec la lumière. Ils comprennent très très vite la lumière. Là, je faisais un film
avec Adam Sandler, cet acteur américain à New York, où je viens juste de terminer. Et on avait un rapport extraordinaire. C'est un acteur qui fait pratiquement que des comédies, à part deux, trois rôles dramatiques qu'il a fait, dont celui de ce film. Mais il avait vraiment une capacité à comprendre, une intelligence qui est comme un muscle, une intelligence particulière de la caméra et de la lumière, de l'ambiance et la façon. Et j'étais fasciné parce que ça me rappelait d'autres acteurs du passé avec qui j'avais travaillé dans le passé. Comme Brad Pitt, par exemple, ou comme Leonardo DiCaprio, mais surtout, je me souviens Brad Pitt, parce que c'était une des premières expériences de travailler avec un acteur américain. Et lui, en particulier, se fondait dans la lumière et observait énormément mon travail à la caméra, et se mettait dans la lumière, se mettait au cadre. Et comprenez la distance. Ce qui est très important, c'est la distance entre la caméra, l'objectif et l'acteur. Et ça, c'est quelque chose que certains acteurs comprennent tout de suite. Et certains acteurs vous demandent quel objectif on met, parce que selon l'objectif, on peut être filmé comme ça, comme le film que je viens de terminer, filmé presque tout en très très serré, avec les frères Safdie, et d'autres films beaucoup plus en grand angle. Proche, ou nous on était en téléobjectif par exemple à distance, mais il y a certains acteurs qui comprennent plus que d'autres, et ils ont une sorte d'intelligence supérieure, disons, mais qui est une intelligence, qui est un muscle vraiment particulier par rapport à ça, par rapport à la caméra et à la lumière. Mais tu parlais. Et d'autres l'ont pas du tout. Oui. Mais c'est pas que ces acteurs sont pas bons, ceux qui l'ont pas. Ils ne peuvent pas travailler comme ça. Ils ne peuvent pas s'encombrer de penser à des marques, de penser à la façon de bouger le corps par rapport à la caméra. Comment la position du corps ou du visage sera mieux par rapport à la lumière. Et ça, je comprends complètement. Et des acteurs, il faut même pas en parler. On nous voit tout de suite. Ça, la seule chose avec l'expérience, c'est qu'on se rend compte. Il y a des acteurs, il ne faut surtout pas leur parler de position, de où est la lumière, où est la caméra. Il y a quelques rares acteurs comme ça qui sont extraordinaires, mais qui n'ont pas ce désir d'être dans cette connaissance-là. Mais je ne veux pas les juger, parce que c'est une autre. Il y a des très grands acteurs comme ça. C'est toi qui intervient, qui dialogue avec le comédien, ou c'est le réalisateur? Je sais qu'il y a des chefs-op qui ne se permettent pas de... J'ai entendu dire ça, que certains chefs opérateurs ne se permettaient pas de parler aux comédiens. C'était le rôle du réalisateur. Mais ils ont raison, ces chefs opérateurs. C'est déjà la photo de... C'est pas ce que tu fais. Non. Disons que je trouve ma place au début. Je vois comment les réalisateurs ont envie de travailler avec moi et comment ils ont travaillé avec les acteurs. Et certains réalisateurs vont me dire non, tu peux parler aux acteurs. Et d'autres vont dire non, je préfère pas, je préfère que ça passe par moi. Mmh. Et c'est juste ça. Ouais. Mais je trouve que c'est mieux de toujours de passer par le réalisateur pour parler aux acteurs. Mmh. Mais dans la progression du film et dans la confiance et la progression du film, il se fait qu'à un moment... On peut aussi, nous, parler aux comédiens, mais une façon et façon de parler aux comédiens. Mmh. Il ne faut pas leur parler, rentrer avec des préoccupations techniques aux acteurs. C'est vraiment... Et il faut vraiment utiliser cet outil, cette chose, cette façon de parler aux acteurs qu'à des moments très précis, si on a vraiment besoin, et la plupart du temps par le biais du réalisateur. C'est très important. Donc moi, c'est m'est arrivé de parler directement aux acteurs. Mais bon, je fais très attention à ça, de pas le faire à mauvais escient. Sur la répétition d'une prise, une prise qui ne prend pas, ou un acteur qui... Il y a des acteurs qui s'améliorent prise après prise, ou il y en a qui s'en font Non, les acteurs, il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des acteurs qui s'améliorent au nombre de prises, et des acteurs qui sont très très bons tout de suite, et qu'il faut filmer dès la répétition. Ouais. Sur le film que je viens de terminer, on filmait... On ne répétait pas, on tournait tout de suite avec les acteurs. Ça, c'était vraiment assez violent pour moi, parce que j'avais plus l'habitude de travailler comme ça, où j'avais quasiment jamais travaillé comme ça. Et on tournait tout de suite les premières prises. Rarement la première prise, c'est comme une répétition. Ouais. On la tournait, on la filmait. Question. Oui.
Et le résultat était très bien, en fait. Ils sont très, très talentueux, ces deux jeunes réalisateurs. Je voulais savoir si c'était toujours satisfaisant de travailler, que ce soit en pellicule ou autre, mais avec toujours en travaillant assidûment la lumière, le rendu après en diffusion numérique, que ce soit dans les grandes salles de complexe ou comme un film comme Okja qui est diffusé tout le temps par Netflix et par ailleurs. Excuse-moi, répète ta question. Ah, pardon. J'ai pas suivi, j'étais distrait. D'accord. Je voulais savoir si c'était toujours satisfaisant du fait de travailler, faire un choix sur le même film, que ce soit en pellicule ou en numérique, travailler assidûment sur les choix de la lumière, etc. Est-ce que c'est toujours satisfaisant après de se dire que ça va être diffusé en numérique, puisque maintenant tous les réseaux, tous les complexes sont en numérique, ou comme un film comme Okja, qui est diffusé directement en numérique sur une plateforme. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de labelliser, par exemple, les Blu-ray, labellisés par le chef-op ou... Non, c'est une très très bonne question, qui est très incisive et très juste, et à laquelle c'est pas facile de répondre. Mais c'est toujours satisfaisant de tourner en pellicule. Pour moi, peut-être parce que je suis de l'âge de la pellicule, pour moi, c'est très satisfaisant de tourner sur pellicule. Mais c'est vrai que si on se dit que toute la post-production qui est numérique altère beaucoup la sensation, le côté sensuel de la pellicule, disons. Moi, je travaille toujours pour un rendu, pour une copie, pour une première projection. Et puis après, on fait la série le plus proche possible de la première copie qu'on a fait. Et maintenant, en numérique, on arrive à avoir une série qui est très proche de la copie zéro. Mais je pense pas trop à cette frustration-là, parce que sinon, je n'arriverai pas à travailler. Il y a tellement de choses qui altèrent l'image quand je revois. Même quand j'ai revu The Beach, j'ai un rétrospectif. Mais pourtant, c'était projeté en 35. Ouais. Une question. J'ai pas su bien répondre à ta question. Je suis désolé. Mais c'est compliqué de répondre à cette question. Bonsoir. J'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous recourez au flashage de la pellicule et au développement sans blanchiment, en fait. Parce que vous en parlez régulièrement dans le livre d'entretien. Mais c'est très technique et pointu, mais c'est ça qui est intéressant. Mais je suis pas sûr, du coup, d'avoir vraiment bien compris pourquoi vous conciliez les deux, notamment. Et aussi, parce que ça semble un peu paradoxal, vous donnez l'impression que ça vous permet de trouver des nuances de noir. Enfin, c'est pas tant ça qui est paradoxal, mais c'est de peut-être laisser entrer plus de lumière au tournage pour mieux en retirer, en fait, en post-production. Non, c'est une très bonne question. C'est une question pas seulement technique, c'est une question un peu sur le côté pictural de l'image. L'image, j'ai toujours été fasciné depuis mes débuts dans la photographie par le côté pictorialiste, par cette époque pictorialiste de la photographie et du passage de la peinture à la photographie et de cette qualité des images anciennes, même dans l'interprétation de films contemporains. Et j'ai toujours voulu brouiller les pistes un petit peu, faire que le cinéma, c'est aussi la vérité, c'est aussi l'illusion. Et j'ai toujours voulu brouiller des choses, que ça soit de l'ordre du diffus, que ça soit pas des choses extrêmement précises. Même quand je fais des images nettes, de les faire avec du vécu, comme si l'image avait un vécu, avait une profondeur dans la matière. Et donc très tôt, j'ai en étudiant le travail d'autres directeurs de la photographie comme Vilmos Siegmund et d'autres films qui avaient traité, où il y avait des traitements sur la couleur, comme un film d'Ettore Scola qui était traité avec un traitement qui s'appelle La Sélection Verte, le film s'appelle La Journée Particulière, ou avec le début du Technicolor, et d'un film comme 1984 qui avait photographié Roger Deakins, son premier film. Et il y a eu des différents. Le travail de Vittorio, justement, avec. Je crois que c'était le dernier tango. Il y a eu des différentes. Tentatives. Tentatives de. J'arrive même pas à trouver le mot en français. Ma langue maternelle. Il y a eu des tentatives. Avec des traitements sur la couleur. Et moi, ce que j'ai fait, la seule chose que je peux peut-être me reconnaître, c'est d'avoir, d'une façon obsessionnelle, fait sur tous les films, en tout cas de la période du début,
un traitement sur la couleur pour essayer de, d'avoir une image plus picturale, pas un style ou une patte, je ne cherchais pas ça, mais j'avais envie de traiter les films avec de la profondeur, qui est des noirs plus noirs ou des blancs plus blancs dans le trésor des îles Chiennes, d'avoir une image avec plus de matière, comme une croûte, une image vraiment en profondeur, de plus épaisse possible. Comme une croûte, pas dans le sens un horrible tableau, mais comme une espèce d'épaisseur sur la toile, sur le film. Et donc le flashage m'a permis le début du flashage, quand j'ai utilisé le flashage, qui est en fait d'abîmer. En fait, le flashage, c'est on abîme la pellicule, on détruit le négatif. Parce qu'on lui amène de la lumière, une lumière parasite, mais unilatérale sur tout le photogramme, sur toute la taille du cadre. Et j'utilisais le flashage à un degré très particulier, à des degrés très particuliers en fonction des films et en fonction du degré de traitement que j'utilisais sur la pellicule. Et le traitement était à un certain pourcentage selon les derniers films. Beauté volée, qui est un film pourtant où on n'aurait pas imaginé du tout mettre un traitement sur la pellicule. Et j'ai vraiment tenu à utiliser le traitement ENR de Technicolor à Rome pour avoir des noirs plus noirs et pouvoir contrôler. Mais ce qu'il y avait de très beau dans ce traitement italien, c'est qu'on pouvait avoir plus de couleurs. Parce que les premiers traitements du début dans Délicatesse Scène, La Cité, et mes premiers courts-métrages, quand j'ai commencé dans les fin des années 80, le traitement sans blanchiment d'éclair, qui était très beau, qui était le début de ce traitement, enlevait beaucoup de couleurs. Donc il fallait rajouter de la couleur dans les décors et les costumes, on devait en rajouter pour pouvoir en avoir à la fin. Mais l'intérêt de ce traitement, c'était d'avoir des noirs plus noirs, parce qu'on n'avait pas de traitement numérique à l'époque, et on recherchait des noirs très opaques en projection. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça ces traitements sur la couleur. Et le flashage est venu pour contrôler le degré de contraste des noirs. Parce que ce contraste était tellement violent que tout le film était traitement comme ça. Et je trouvais que l'histoire ne demandait pas à être entièrement traitée aussi, d'une façon aussi contraste. Il fallait altérer le contraste. C'était un très pervers comme recherche, comme démarche. Mais bon, je me retrouvais, les réalisateurs étaient intéressés par ce. Ça paraît très tordu, mais. Non. Je sais pas si c'est compréhensible. C'est développé. C'est extrêmement technique, mais. Mais tout ça est développé dans l'ouvrage, donc c'est pour ça qu'on. Une question liée à ça. Mais alors, vous avez un temps idéal. L'italien, non ? C'est. Vous avez un temps idéal de préparation pour un projet ou. Vous, à chaque projet, vous devez vous adapter à... Non, c'est une bonne question. J'aime avoir le plus de temps possible pour un projet. Dans les modes de production contemporaine, on a de moins en moins de temps de préparation sur un film. Je pense que beaucoup de vous devez s'en ressentir ça. Mais avant, il y a une dizaine d'années ou 30 ans ou plus, on avait beaucoup plus de temps en préparation. On préparait un film beaucoup plus en amont. Mais les modes de production et la façon dont les films sont produits maintenant, avec les coûts, le coût des films, le coût de tout ce que... le coût de la vie, enfin, je ne sais pas, c'est un ensemble de choses pervers qui fait qu'on a moins en moins de temps de préparation. Les producteurs commencent le plus tard possible après la préparation. On ne peut pas leur en vouloir parce que c'est comme ça qu'ils peuvent produire certains films qui ne pourraient pas se produire autrement. Et du coup, nous, on doit commencer très tard la préparation. Mais moi, personnellement, j'aime avoir le plus possible de préparation en amont à la genèse d'un projet et d'être dès le début avec un metteur en scène, le plus tôt possible. Et presque le premier choisi. La plus longue préparation que j'ai faite, c'est 12 semaines, c'est 3 mois. Et la plus courte que j'ai faite, c'était la préparation d'un long métrage avec Woody Allen, la première fois que j'ai travaillé avec lui, parce que j'avais que 2 semaines. Il a voulu absolument que je fasse ce film à New York. Et je lui ai dit, j'ai que 2 semaines. Et il m'a dit, mais moi-même, il avait beaucoup de problèmes à ce moment-là. Et on a fait cette préparation de ce film en 2 semaines. Donc, c'est passé de 3 mois à 2 semaines. Et,
Mais en règle générale, la plupart du temps, ce qui se retrouve le plus souvent, c'est 6 semaines. 6 semaines, 6 à 8 semaines. Le dernier film, j'ai eu 8 semaines de préparation pour un film qui était 29 jours de tournage. J'ai eu 8 semaines de préparation parce que les réalisateurs me voulaient très tôt dans la préparation à New York avec eux. Mais c'est très atypique, la préparation. Et bien, c'est aussi en fonction des moyens du film, des moyens financiers du film. Et de notre bon vouloir de parfois devenir quand même plus tôt. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. J'aimerais bien qu'on ait le temps que de la dédicace, comme ça tout le monde peut te rencontrer, signer l'ouvrage, échanger. Voilà, ça va vite. Non, mais on peut. Oui, ça va vite, mais après. Deux dernières questions sur Bernardo Bertolucci qui nous a quitté hier. Peut-être que tu peux dire le souvenir que tu en as ou quelques mots. Je sais que tu as fait une émission à midi pour parler de ça. Peut-être que tu. Non. Je sais pas quoi dire. C'est quelqu'un. C'est un metteur en scène que j'ai admiré énormément depuis mon plus jeune âge, et avec lesquels j'ai eu la chance de faire un film, et je me suis senti très très proche. On était très proches pendant le tournage de ce film. Je regrette de ne pas avoir fait plus de films avec lui, et je regrette de ne pas l'avoir plus souvent. C'est comme un ami qui meurt, et on se rend compte qu'on ne l'a pas vu assez. C'est le sentiment que j'ai. Toute la journée d'hier et aujourd'hui, c'est penser à toutes les fois où j'étais à Rome et j'aurais pu le voir et je ne l'ai pas vu et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Et quand j'entends sa voix, il est encore tellement vivant dans mon esprit parce que sa voix est très très charismatique et très forte et très. Elle respire le cinéma pour moi. Et comme j'étais très cinéphile et très passionné, c'est vraiment une voix du cinéma pour moi. C'est comme Truffaut. François Truffaut, je l'ai jamais connu. J'ai croisé une fois. On allait voir régulièrement les films de Murnau. Pendant un moment, dans les années 70, il était toujours assis dans la salle. Et moi, j'allais voir tous ses films. J'étais très cinéphile. Mmh. Et j'ai jamais osé lui parler. Mais pour moi, c'était comme un père du cinéma, François Truffaut. C'était vraiment. Et sa voix était quelque chose de très, très, très important pour moi. Donc, je retiens la voix de Bernardo qui est. Et le souvenir du tournage de Beauté Volée. C'est un tournage, souvenir extraordinaire de tournage, parce que c'était en Toscane, en Italie. Moi, j'ai appris le cinéma, j'ai appris l'italien, je parle italien, j'ai appris l'italien. Pour moi, c'était la langue du cinéma, parce que dans les années 60-70, pour moi, le cinéma italien était un des plus grands cinémas avec le cinéma américain. Et c'était vraiment la langue du cinéma. Je voulais apprendre en Italie, je voulais aller en Italie. Et puis quand je suis rentré de l'école de cinéma au début des années 80, en 80, je me suis rendu le cinéma italien, malheureusement, c'était détruit beaucoup avec la télévision et tout ça. Ah, c'était devenu, c'était malheureusement plus que c'était du tout. Et donc j'ai pas suivi le cours que je voulais faire. Mais donc l'italien était très important. Et quand j'ai commencé à travailler avec Bernardo, je lui ai dit, mais il m'a demandé, mais comment ça se fait que tu parles italien comme ça, tu es français? Il m'a dit, pour moi, la langue du cinéma, c'est l'italien. Et il a éclaté de rire, il m'a dit, non, c'est pour moi, c'est le français, la langue du cinéma. Parce que lui, c'était tous les cinémas français qui étaient très, très riches, et Godard surtout. Et donc, il était. Lui, pour lui, c'était la langue du cinéma, c'était vraiment le français. Je t'ai fait choisir, on a un mais peu. Mais j'étais vraiment très proche, Bernardo, oui, mais en même temps, c'est pas quelqu'un que j'ai vu beaucoup, donc je ne sais pas. Bon, on parle. J'ai un peu plus d'heure à parler de. Je comprends. Je t'ai fait choisir quelques DVD, quoi, une petite sélection. Ah oui. Donc il y a des films de. Tu parlais de Murnau. On demande ça à chaque invité. Donc il y a l'horreur juste. Ils sont sur la table où tu vas dédicacer. Donc les gens pourront les voir et on va la mettre en ligne. D'accord. Il y avait l'horreur de Murnau. Oui. Peut-être dis-nous deux, trois mots sur. L'horreur de Murnau, c'est vraiment un film tellement. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Sunrise. L'horreur de Murnau, c'est un film que Murnau a fait à Hollywood, quand il est arrivé à Hollywood. Et c'est un film qui est une référence perpétuelle pour moi, que je regarde tout le jour complètement fasciné. L'importance du cinéma muet pour toi, hein, c'est quelque chose qui est. Oui, le cinéma muet est très très important pour moi. J'ai toujours. Il y a une chose que j'ai faite comme un état de jeunesse du début de mes préparations de films. C'est que j'ai souvent fait
surtout au début, de regarder que des films en noir et blanc. Je ne regarde aucun film en couleur. Je ne voulais pas du tout être pollué, pollué ou inspiré par d'autres couleurs que les films en couleur que je photographiais. Et donc, je regardais que des films en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose d'une obsession pour moi. Et c'était en général des films muets. Et donc, beaucoup, les Rapaces de Eric von Stroheim, beaucoup de films muets de Fritz Lang, ou beaucoup de films. Voilà, c'est donc l'horreur de Murnau, c'est très important. Et je pense qu'il y a aussi l'Atalante, non ? Alors, l'Atalante de Vigo, je ne l'ai pas mis, mais parce qu'il y a Coffre à Vigo. Tu m'as parlé d'une séquence, j'étais gêné parce que je ne suis pas bon pour chercher les séquences. Non, mais on va pas passer d'extrait, on passera le beauté volée, comme ça, ça fera une sorte d'hommage. Et puis on le... Mais l'Atalante, c'est un film très très important pour moi aussi, qui est un film, comme un film expérimental, mais c'est comme si c'était fait par un artiste comme Philippe aujourd'hui, et qui est malgré tout un film, un long métrage avec une histoire. Et c'est un film que je regarde récemment, très très souvent, et que je fais découvrir à beaucoup de d'amis. C'est un film très important. Il y a une séquence extraordinaire dans le film. C'est un film qui, pour moi, touche à la poésie. C'est comme les films de Mizoguchi. Ils ont cette faculté, pour moi, de toucher comme du bout des doigts l'essence même de l'art, de la poésie. Et les films de Mizoguchi sont comme ça, l'Atalante est comme ça, il y a des films comme ça où on a l'impression de toucher la grâce du cinéma, de l'essence. Si le cinéma pouvait se résumer en quelques gouttes, ça serait quelques gouttes de ça, de cette essence du cinéma de certains metteurs en scène, de John Ford à un certain moment, de Renoir. Tu parles de la règle du jeu, la prisonnière du désert. Voilà. Dernière question, dernière. Avec quel réalisateur aimerais-tu travailler maintenant? Oh, ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup. Là, tu viens de travailler avec les frères Safdie, avec Nicolas Winding Refn. Beaucoup de metteurs en scène. Vu que c'est ta priorité, c'est ton moteur, un peu ta gasoline, ton essence. Les réalisateurs, je ne sais pas. Difficile à dire. Quel visage, quel comédien, quels acteurs? Ouais, quels acteurs que t'aimerais filmer? Je pense surtout à des acteurs du passé que je peux plus filmer parce que je pensais à Louis Juvet, j'adorais Louis Juvet. Il est plus là. Ouais. Non, je sais pas. C'est une question difficile. J'ai du mal à répondre à ces questions. D'accord. En ce moment, j'ai une expérience extraordinaire avec deux réalisateurs qui sont très jeunes, qui ont l'âge de mes enfants, et c'était une des meilleures expériences des frères Safdie. Donc peut-être une découverte de jeunes réalisateurs plutôt. D'accord. Merci beaucoup, Darius. Merci, Jordan. Merci. Donc on se retrouve vers la caisse si vous voulez acheter l'ouvrage et pour la signature.